Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Je vais juste commencer par ça pour être sûr que tout le monde m'entend. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Coucou tout le monde. Oui, merci Sandrine. C'est bon, super. Nickel. Alors, je vais encore devoir me sauver 30 secondes, même pas, que dis-je, une seconde et demie. Les enfants m'ont laissé l'enceinte allumée, du coup je m'entends parler. Un vrai bonheur. Bougez pas. Et voilà, je suis de retour, excusez-moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vois que vous êtes très nombreuses déjà. J'ai pas eu le temps de saluer tout le monde, donc je suis désolée. J'ai vu Héloïse, Karine, Nathalie, Sandrine, Annick, Noël, Cécilia, Coco, Fabienne, Martine, Marie-France, Laurence, l'autre Marie-France, Brigitte. Coucou Héloïse Laurence, coucou Sandrine, coucou Karel, hello Mumu, bien, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, coucou Karine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau live, bien sûr. Ah, bon courage Laurence, en tout cas, ça c'est sûr. Coucou Louison, coucou Béatrice. Alors, je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver. Ok. Oh, c'est gentil Brigitte, tu m'attendais avec impatience. Ça, c'est sympa alors. Coucou ma Cathy, ça va ma belle? Bonjour Daniel. C'est bon, je vois que tout le monde arrive tranquillement. C'est super. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça me fera un grand plaisir de vous faire un petit coucou et surtout de vous accueillir, non seulement moi, mais aussi toutes les personnes qui participent au live chaque semaine. Coucou Nathalie, tu es en pleine forme et ravie d'être là. Bah écoute, ça me fait très plaisir pour toi. Coucou Marilène. Je ne parviens pas à trouver le groupe des boxeuses. Oh, Annick, je t'enverrai un lien par mail. Comme ça, tu pourras rejoindre le groupe sans problème. Il n'y a pas de souci. Bien. Alors, eh bien justement, parlons-en de la boxe mensuelle. Vous le savez, tous les mois, je vous propose de vous inscrire pour une boxe de scrap surprise. Donc, comme son nom l'indique, chaque mois, vous recevez un petit colis sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est la grande découverte à l'ouverture. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer ça et à attendre ce petit colis chaque mois avec impatience. Eh bien, pour celles qui ne font pas encore partie justement du groupe de ces boxeuses, comme elles aiment à s'appeler, eh bien, je vous informe que les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à dimanche soir. Vous retrouverez donc sur Facebook le lien avec toutes les infos au-dessus de la publication sur Facebook. Et donc ce sera évidemment dans la barre d'infos sur YouTube lorsque vous regarderez donc cette vidéo en replay. Un petit bug, Nathalie. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en prie, Annick, avec grand plaisir. Je vais juste vous afficher, donc voilà, en gros, un exemple de box que j'ai déjà envoyé donc un mois précédent. Coucou Catherine, comment ça va? Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre les boxeuses, n'hésitez pas, c'est encore possible. Dans le lien que je vous ai mis, évidemment, vous avez toutes les informations sur le sujet et puis bien sûr le formulaire pour vous inscrire ensuite. Coucou Nadine, comment ça va? Coucou Maretine. Bonjour Jacqueline.
Coucou Delphine, là, il y a plein de monde qui arrive, c'est super. Coucou Martine, ne t'inquiète pas, je viens juste de commencer, tout va bien ma belle. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager à vos copines, voilà, sur votre mur Facebook, à liker, à partager. Je vous en suis très reconnaissante et merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous l'avez vu, une petite carte très très simple. Non, Marilène, je ne vais pas au salon ce week-end, malheureusement. Coucou Carole. Coucou Maretine. Ah, tu avais perdu la connexion, Nathalie, et c'est revenu, c'est parfait. Bien. Du coup, à répondre à chacun des commentaires, du coup, j'ai des moments, je perds le fil un petit peu. Mais ça va venir. Donc, non, je ne vais pas au salon de Tours cette année, peut-être une année future, qui sait. La petite carte, je vais vous la montrer tout de suite. Oui, ça s'est très bien passé, mon anniversaire. Très calme, mais très sympa, juste ce qu'il me faut. Ça me va très bien. Et puis, j'ai été très, très, très gâtée. Je pense que vous avez vu sur ma page ou sur mon profil toutes les magnifiques cartes que j'ai reçues, les superbes cadeaux qu'on m'a fait. J'ai passé, sans vous mentir, plus de 45 minutes à ouvrir toutes les belles cartes, les enveloppes, les paquets que j'ai reçus. C'est juste... incroyable, vraiment c'est incroyable. Voilà. Merci Marotine de m'avoir rappelé ce beau souvenir en fait. C'est assez incroyable. Coucou Nathalie. Ah, chouette, vous avez réussi à trouver le live, c'est super. Bienvenue Nathalie. Une petite information voilà, qui est indispensable. C'est pas des plus fun, mais en même temps, voilà. C'est la vie. Rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas, juste une information pour vous dire qu'à partir du 1er avril, les frais de port vont prendre une petite augmentation. Voilà. Alors c'est tout à fait normal, vous vous en doutez. La conjoncture actuelle fait que voilà, une entreprise doit pouvoir vivre. Donc c'est ce qui se passe. Bon, il faut quand même savoir que les frais de port n'ont pas augmenté depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est assez exceptionnel. On est très très loin de l'augmentation annuelle de la Poste, par exemple. Hein, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Et puis, ça reste quand même un tarif fixe, quel que soit le poids de nos colis. Donc, ça non plus, ce n'est pas négligeable. Coucou Luna, ça va ma belle? Ce n'est pas négligeable. Donc voilà, ne soyez pas surprise. À partir du 1er avril, lorsque vous irez donc sur ma boutique en ligne, c'est tout à fait normal. Ainsi vont les choses. Voilà, je tenais simplement à vous en informer. Coucou Karine, comment ça va? Oui, ça va bien, moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je vous invite que l'on démarre tout de suite la création de cette petite carte très simple, accessible à tous les niveaux de Scrap, évidemment. Voilà, je vais vous apprendre une ou deux petites astuces. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Voilà, toujours des choses très simples qui permettent quand même voilà, de s'amuser et puis de prendre du plaisir à scraper parce que c'est vraiment ça le plus important. Voilà, c'est... c'est cette petite bulle que l'on s'offre dans notre quotidien ou dans notre semaine qui est très importante. Et donc, voilà, on en profite, on se fait du bien, on se fait plaisir et on passe un beau moment. En tout cas, j'espère que ce sera le cas pour vous aujourd'hui. Alors, c'est parti, je vous fais découvrir la carte. Bon, découvrir, non, vous l'avez déjà vue, hein, bien sûr. La voici. Hop. Donc avec de magnifiques découpes. C'est vraiment très très beau. Alors vous voyez les tulipes ici, j'ai utilisé la technique que je vous ai déjà montrée il n'y a pas très longtemps. Oui Chantal et Jean-Luc, pas de soucis. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et vive le replay. Une petite technique que je vous ai déjà montrée il n'y a pas longtemps. J'ai utilisé donc, parce que c'est un tampon en une seule fois, eh bien les Stampin' White, vous savez, les feutres à eau, j'ai directement colorisé sur mon tamponnage. Et du coup, ça nous permet de faire un même tamponnage avec plusieurs couleurs. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et on a ici, hop, je vais vous montrer un petit peu plus près. Voilà, un design juste
incroyable, des reflets directement dans le tamponnage. On est vraiment dans le détail et tout, c'est vraiment absolument magnifique. Et puis pour ce qui est de la collection de papier, coucou ma belle Sandrine, tu vas bien? Oh merci Cécilia, toujours un excellent moment. Ça me fait du bien, vraiment. Ici, j'ai utilisé la collection Beauté Abstraite. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça. Merci pour tout ce travail, pour vos vidéos. Merci beaucoup Chantal et Jean-Luc. Vous êtes des amours. Je vous embrasse tous les deux. Vous retrouverez évidemment la liste des produits que j'ai utilisés, ainsi que la fiche technique après le live sur mon blog. Donc vraiment, vous aurez tout. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer vos papiers, si vous êtes un peu perdu, ou si vous avez juste envie de regarder tranquillement et puis de faire après. Voilà, vous aurez accès à tout ça après le live sur mon blog. Je publierai le lien et tout, vous n'avez aucun souci à vous faire. Tu as prévu ta liste? Est-ce que tu as prévu un rouleau de 10 mètres? Attention, elles sont parties. Ça sent bon. C'est super sympa, mais très facile. Oui, Luna, vraiment très facile à faire. Et du coup, ça permet de s'amuser avec la déco. Puis, on n'a pas toujours le temps de faire des cartes plus complexes. Parfois, on a besoin de faire des cartes assez rapidement parce qu'on est en retard, parce qu'on est pris par le quotidien ou par la course de la semaine. Du coup, c'est quand même assez sympa de se dire qu'on peut faire une carte sympa, originale, mais très simple et très rapide. Donc ça, on aime bien ça. Alors, on va commencer. Cette semaine, je vais réaliser cette carte avec la collection Champs de fleurs, avec nos belles tulipes. Je vais utiliser le papier, les tamponnages. Vous allez voir, c'est super beau. Coucou Fabienne, comment ça va? Alors, je mets ça de côté et puis tout simplement, je vais prendre tous mes papiers. Hop, qui sont là. J'attrape mon coupe-papier aussi. Je vous laisse prendre votre matériel en même temps. Hop, je l'ai mis un petit peu loin de moi, mais ça le fait. Alors, c'est bon pour vous? On y va? C'est parti. Donc, pour la base de la carte, il vous fallait un morceau de papier uni. Ici, j'ai pris le piscine party. Coucou Virginie. Des fois, pas beaucoup de temps, c'est bien vrai. Oui, Nathalie, exactement. D'où l'intérêt d'avoir une carte sympa à faire et qu'elle soit simple et rapide. Donc, notre base de carte unie, donc je vous ai dit ici, j'ai pris piscine party. Il vous faut un morceau de 21 par 14,85. Voilà, comme d'habitude, la base normale. Oui, je commence juste, ma Fabienne. T'inquiète, ma bichette. Tu vas bien? Moi, comme d'hab, je note. Pas de souci, Nathalie, je t'en prie. Pour cette base de cartes, voilà, l'essentiel va résider en fait ici. Donc, comme d'habitude, où trouves-tu tous ces beaux projets? Des inspirations des collègues, notre cher Pinterest par exemple, voilà, mais beaucoup avec l'inspiration de nos collègues, mais partout dans le monde, parce que Stampin' Up, c'est ça aussi. Exactement, on est en phase avec nos collègues américaines, australiennes, les Allemandes aussi, voilà, les Danoises, il y en a plein. Donc c'est ça aussi qui est sympa. Et du coup, je vais avoir le bonheur, si tout va bien, de pouvoir les rencontrer justement lors de notre séminaire on stage au mois de novembre. J'ai hâte, vraiment hâte de vivre ce moment avec mes filleules et puis rencontrer toutes mes collègues mondiales. Ça va être génial. T'as vu les post-it, Cathy, comme ils sont beaux? N'est-ce pas? C'est ma routine. Alors, on y va. Première étape de cette base de cartes, nous allons marquer un pli sur le bord long à 10,5. Ok. Bon, on est d'accord, jusque-là, rien de compliqué. Ici, nous allons retourner notre papier sur le bord court. Ça pète les post-it, n'est-ce pas que ça pète? C'est un petit cadeau d'anniversaire qu'on m'a fait.
À quand les collègues belges? Ah oui, je sais, je sais, je sais. Mais je pense qu'ils sont en train d'étudier tout ça, de faire entrer des nouvelles européennes. Mais voilà, avec toutes les législations différentes entre les États-Unis et les pays d'Europe, c'est toujours très compliqué, vous le savez. Donc, patience et gardons espoir. Donc je suis sur le bord court et je vais venir tout simplement couper à la moitié, donc environ 7,4. D'accord. Et attention, je viens couper, mais je m'arrête à la ligne de pli ici. D'accord? Puisque ce que l'on va faire, regardez, on a la base de carte ici. On va venir simplement se séparer d'un quart de cette base. D'accord? Et on ne jette pas ce morceau puisque vous voyez, en fait, le morceau que j'aurais coupé ici, je vais le retrouver ici. Je l'utilise ici pour la décoration avant de ma carte. Oui, les post-it m'ont été offerts par ma belle Marotine. Ok? Donc, vous voyez, en gros, cela va donner ceci. Oui, en Europe non plus, ils ne sont pas synchro, on est bien d'accord. Donc, hop, voilà, et on va venir couper. Donc, on s'arrête bien à la ligne de pli. Oui, je vais te montrer les tulipes dans 2 secondes, Béatrice, ne t'en fais pas. Pour l'instant, je m'occupe de la base de ma carte. Oui, c'est piscine party, ma biche. Pourquoi j'ai dit quoi? Bonjour Sonia, comment ça va? Alors, 7, alors, pour quand on veut exactement faire la précision, c'est 7,43. Bon, là, on va faire entre 4 et 5, hein, ça sera très bien. Ok, donc je viens couper, je m'arrête à la ligne de pli. Il faut dire que tu en utilises beaucoup, ça, c'est le rien de le dire. Alors, j'ai coupé, moi, la partie du haut. Mais vous pouvez choisir, pourquoi pas, la partie du bas, de couper la partie du bas. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que votre carte serait comme ça. Bon, le pli sera dans l'autre sens, hein, mais ça peut aussi se faire comme ça. Donc n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait changer cela. Aucun problème, les filles. Alors, hop. Et voilà. Alors, il me manque un tout petit bout. Je vais finir de le couper au ciseau. J'avais un post-it derrière, du coup, j'avais pas fait gaffe. Et voilà, donc je garde bien le petit morceau. Voilà. Et voilà. C'est méga simple. Et du coup, voilà. Là, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la déco. Et aux petites astuces que je voulais vous présenter. Je vais venir marquer mon pli ici. Voilà. Je vais cacher, donc, vous le savez, hein, vous avez l'habitude, le petit bourrelet qui est formé par notre lame. On vient l'aplatir avec notre plioir. Drin, tu papotes, tu t'es rentrée. Je regarde Disney en même temps. Oh, tu regardes quoi, Luna? Sur quoi ton cœur balance aujourd'hui? Voilà, hop. Et puis ça, pareil, je supprime ce petit bourrelet disgracieux. Alors, pour la base de carte, c'est bon, on n'a plus besoin. Maintenant, on s'attaque à la déco. Les morceaux de papier, de matage, papier design. Hop, je prends tout ça, je prends tout ça. Alors, c'est parti. Je remets mes idées en place. Donc ça va aller avec ça. Je remets tout ça. Toc. Toc. Et il me manque un morceau de papier blanc. C'est pas grave, il s'est caché, mais ça, je vais en recouper un, hein, c'est pas un problème. Alors, coucou Gaëlle, comment ça va ma belle? Donc, sur ma première carte, j'ai directement mis à l'intérieur un papier design. OK?
Pour la deuxième version, j'avais envie de rajouter un petit matage. Il faut que je fasse attention à mon cadrage, n'hésitez pas à me le dire. J'ai décidé de rajouter un papier de matage pour faire encore plus ressortir mon papier design. Donc, la mesure de mon papier matage mesure la même dimension que celle que je vous ai donnée dans la liste du matériel pour le papier imprimé, donc à savoir 10 par 14,3. Le monde de Ralph, sympa. Ok, donc, quelle que soit la couleur de votre matage, en tout cas, ça fera 10 par 14,3. Ensuite, voici le magnifique papier tulipe. Il est beau, j'adore ces couleurs, vous avez vu, comme ça flash, c'est absolument magnifique, j'en suis gaga. Il est vraiment trop beau. Alors, Makati, celui-ci, il est tout nouveau et je l'adore aussi. Et il s'appelle. La couleur m'a fait rire. Il s'appelle Monsieur Bleu. Voilà. Mais ouais, je l'adore aussi. Il est trop beau. Donc voilà. Et le verso de ce papier, voilà, c'est le ciel. On a envie de se mettre dans les nuages. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment un joli contraste. Donc ce papier-là. Comme j'ai donc mis un papier de matage, sachez que la mesure est, voilà, c'est le fameux post-it que j'ai déchiré bêtement, 13, non, c'est pas celui-là, 13,8, 13,8 par 9,5. Je t'enverrai la référence, Cathy, il n'y a pas de souci. Vernis béguin bleu. Et j'ai regardé, hein. Il s'en rapproche, mais pas tout à fait. Il est entre le béguin bleu et entre le béguin bleu et le souffle d'écume. En fait, j'ai regardé j'ai comparé avec mon papier. Il est un peu entre les deux. Voilà. Donc c'est pas piscine partie, vous voyez, mais voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour parler vernis, hein, même si je suis contente qu'il vous plaise et pour celles qui veulent, je vous enverrai la référence, il n'y a pas de problème. Donc, pour mémoire, il se situe entre souffle d'écume et béguin bleu. Voilà. Donc, j'en étais à mon papier design qui, si vous rajoutez le papier de matage, mesure 13,8 par 9,5. Par-dessus, je vais rajouter donc le fameux morceau de papier blanc que j'ai mangé, que j'ai oublié, et lui, il va mesurer 13,3 par 9. Donc je vais juste le recouper. Voilà. Tout simplement. Et du coup, on n'a plus qu'à coller tout ça. Ensuite, on va venir, je vais venir vous parler de l'avant de la carte et vous allez voir, c'est là-dessus que je vais vous montrer une ou deux petites astuces. Coucou Audrey, ça va ma belle? Bonjour Marie-Thérèse. Et voilà, du coup, on laisse deviner le papier design autour et on va pouvoir écrire notre petit message ici. Je vais coller ça rapidement. Hop, tout ça vite fait. Alors, Béatrice, déjà, tu viens de voir le papier design des tulipes. Est-ce qu'il te plaît, dis-moi? Et vous, vous autres, qui êtes là aussi, est-ce que ce papier, vous le trouvez beau? Je vais vous en montrer un autre morceau tout de suite après que je vais utiliser pour l'avant. Si, 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 Nathalie, tu as les bonnes mesures. C'est juste que j'ai fait aujourd'hui une adaptation de ma deuxième carte, tout simplement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ici, mon premier papier blanc, j'ai décidé de rajouter un matage, tout simplement. Donc, ce papier blanc, il a la mesure du papier imprimé, du DSP, qui est 14,3 par 10 cm. OK? J'ai ensuite mis le papier design, d'accord? Donc, ça, ce sont des mesures supplémentaires que je donne, tout simplement. Donc, ce morceau de papier design mesure
14,3 par 10. Eh bien, Nathalie, si tu es perdue, je te propose de vraiment utiliser uniquement les mesures que j'ai données qui correspondent en fait à cette carte-là. Le papier design ici, d'accord, et le papier blanc ici. Et si tu as les bonnes mesures, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Donc, le papier design ici. Bonjour, Fleur Mimosa. Ça va aller, Nathalie, en voyant la carte? Donc, le papier design, la mesure, j'ai donné 14,3 par 10 cm. Ok. Et le papier blanc à l'intérieur, donc sur celle-ci, mesure 13,3 par 9 cm. Ok, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai juste voulu vous donner une alternative, une autre possibilité en ajoutant un autre papier pour aussi refaire sortir un petit peu plus le papier design, tout simplement. Donc je reprends le papier design ici mesure 14,3 par 10 cm et le papier blanc à l'intérieur mesure 13,3 par 9. Voilà Nathalie, j'espère que j'ai pu t'aider à retrouver le bon sens. Bonjour Michel, comment ça va? Voilà, ça donne super sympa, je trouve. On peut même envisager, je pense, de mettre ici une petite photo aussi, une alternative à la carte. Donc mettre une photo à l'intérieur et puis du coup remplacer, rajouter une feuille blanche à l'arrière pour écrire le message. Ça peut aussi être une deuxième alternative ou une troisième alternative à cette jolie carte toute simple. C'est ça aussi le côté sympa avec le scrap, c'est qu'on part avec un projet de base et en fait on peut tout à fait l'adapter à nos différentes envies et puis aussi au matériel qu'on a sous la main. Donc c'est assez sympa je trouve. Alors on continue. Pour l'avant ici, il vous faut un morceau de matage uni. Merci Béatrice. Oui Marie-France, elles sont très belles, c'est vrai. 10 par 6,9. Le papier de matage qui va venir donc sur cette partie ici. Je vais tout de suite coller, attendez, hop, ce morceau. Voilà. Vous voyez, hein, très très simple. Donc 10 par 6,9 pour le matage. Et je viens ajouter un autre morceau, donc toujours de ces belles tulipes. Donc là, on a un vrai champ de tulipes incroyable avec plein de couleurs. Et le verso tout vert, tout simple. C'est joli, hein? Et ce morceau-là, il mesure 9,5 par 6,4. Ok, je vais vous le mettre là. Voilà, ces deux-là, ils vont ensemble et ils se mettent à l'avant. Merci Karine, mais c'est vraiment très très simple à faire. Et du coup, on peut vraiment prendre plaisir à travailler nos papiers, jouer avec nos tamponnages, nos découpes, vous allez voir. C'est vraiment très agréable. On prend le temps, on n'est pas pressé et du coup, voilà, on n'a pas de pression pour cette carte qui est vraiment très simple. Alors, voilà, encore une fois ici, rien de compliqué. J'espère, Nathalie, que tu as pu reprendre le cours de la création de cette carte et que ça va mieux, que je t'ai rassurée. En tout cas, n'hésite pas à me dire si ce n'est pas le cas. Donc, je vais venir récupérer cette partie. Vous vous souvenez qu'on a coupé, d'accord? Donc, c'est mon morceau de piscine partie, voilà, de la base de ma carte, tout simplement, ok, qui va venir se positionner ici. Avant cela, je vais customiser tout ça. Donc, deuxième alternative que je vous dis, mais que je ne vais pas faire. Ici, vous avez donc la mesure du papier blanc, d'accord, qui mesure 10 par 6,9. D'accord?
Oui, Cathy, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut en mettre par petites touches quand on n'est pas fan, et puis on l'adapte. Nathalie, pas de pression, tranquille, vous prenez votre temps, et vous savez que de toute façon, la vidéo va rester disponible sur ma page, qu'elle sera également disponible sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez la regarder autant de fois que vous voudrez. Et puis sur mon blog, là où vous êtes allé ce matin, eh bien, il y aura un article et à la fin, il y aura la fiche technique avec toutes les mesures, et du coup, vous pourrez la télécharger et vous en servir. Donc pas de pression, prenez votre temps. Merci, Fleur Mimosa. Donc ce morceau, voilà, vous avez pu prendre la mesure, ça y est. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer ce papier blanc de même mesure par un papier design. Ok? Donc là, moi, je vais travailler avec ça et je vais faire des tamponnages avec mes tulipes dessus. Et je vais vous montrer donc une petite astuce de tamponnage tout de suite. Alors, je prends ça, je mets ma carte de côté. Toc, toc. J'enlève tout ça pour que vous ayez une meilleure visibilité. Oula, tout s'envole. Je mets mes petits cœurs de côté. Voilà. Et donc, je vais prendre le set de tampons donc, qui est coordonné avec le papier que je viens de vous montrer. Tulipe naissante, on est vraiment sur des fleurs magnifiques et également des sentiments que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très jolis. Je vais vous zoomer. Voilà, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Regardez. Voilà, là, vous voyez encore mieux. Et donc, on est sur des tampons transparents, vous voyez, et ils sont accompagnés, oula, de découpes, contours, et aussi la possibilité de faire des fleurs en 3D. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Mais là, je vais uniquement travailler avec ces tampons. Alors, c'est parti, je vais prendre mes fleurs. Le sentiment cercle, ouais, moi aussi, j'adore. Il est super beau. Et justement, plus j'aime un truc, plus je l'ai même pas encore utilisé, le comble. C'est vraiment le comble. Allez, hop, je prends tous mes tampons. Voilà. Donc là, vous allez voir qu'on a des tampons pour la même fleur qui servent à faire le contour, mais également, comment dirais-je, l'intérieur. Donc je vais prendre celle-là aussi. Hop, je vais prendre celui-ci. Voilà, et je vais prendre toc, ça. Je vais avoir besoin de celui-ci et de celui-ci également. Hop, alors je vais prendre deux couleurs, Calico Coquelicot, qui fait bien sûr partie de la collection. Ok, des couleurs coordonnées. Et je vais utiliser aussi Riche Raisin, qui lui aussi fait partie de la collection. Oui, ma Carelle, bon courage pour le kiné, je pense fort à toi, ma bichette. Alors, je vais commencer par tamponner ma grande feuille. Donc, hop, je viens tremper tout simplement mon tampon sur mon pad. Tu ne collectionnerais pas les blocs par hasard? Eh bien, comme tu peux le constater, ils me sont très utiles. Et encore, il m'en manque deux que j'ai pas sortis, j'aurais dû les sortir. Ok, je trempe et je viens pour la première directement déposer hop, ma feuille sur mon blanc. Ok, donc là on est sur du tamponnage direct un peu plus foncé. Mais j'ai envie de faire apparaître une autre feuille derrière, mais plus discrète. Pour cela, je retrempe ici mon tampon, mais je viens d'abord enlever le plus gros sur mon brouillon. Et maintenant, je viens retamponner quelque chose de plus discret par-dessus. Voilà, ça fait une sorte d'ombre. Vous avez vu? Vous voyez ici? Donc c'est ça, cette petite astuce que je voulais vous apprendre aujourd'hui, c'est le tamponnage en plusieurs générations. Le fait de venir déposer une fois ou deux fois l'encre sur votre brouillon, ça vous permet en fait tout simplement d'éclaircir votre tamponnage et d'y donner des ombres autrement qu'avec les feutres par exemple. Donc je vais continuer, vous allez voir. Alors, je vais venir faire la tige
Donc c'est là que j'ai pas sorti mon autre bloc, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Voilà. Et je viens donc. Je vais enlever ça hein, parce que j'y vois rien en fait. C'est pas très malin mon histoire. Tac. Je viens tamponner ma première tige. Voilà, en plus foncé. On dirait que tu écris à la plume. Ah, peut-être. Ça veut dire que c'est très fin et du coup j'aime bien l'idée. Et donc je vais faire une tulipe ici, puis je vais en faire partir une autre un petit peu plus haute et un peu plus par là-bas. Mais par contre, cette fois-ci, je vais la faire en un peu plus clair. Donc je dépose l'encre tranquillement ici et je viens en fait. Voilà, qu'elle soit un petit peu plus discrète. Je viens maintenant, on a un joli tamponnage ici qui nous donne l'impression. Coucou Aude, ça va ma belle? D'un petit buisson. Merci, c'est gentil. J'espère que la carte finale te plaira. Donc, ici, très légèrement. Et pour la deuxième tige, je fais pareil, mais là, en deuxième génération. Voilà, quelque chose de plus clair, plus léger. Il y a des ombres même au sein même du tamponnage. Je vais rapprocher pour vous montrer. Vous avez vu? On a toujours la même couleur, donc on est dans les mêmes tons, et ça c'est parfait, mais du coup avec du clair et du foncé. Donc ça c'est vraiment le top pour nos créations. Alors, je vais rajouter quand même une petite feuille ici sur la droite. Bonjour Frédéric, comment ça va? Toc, on va faire ici. Voilà. Ouais, on a vraiment des dégradés de couleurs, c'est vraiment très sympa. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec mes fleurs pour cela. Donc là, je vais prendre celle-ci, la première, ok, que je vais tamponner ici, et vous allez voir ce que ça va faire. Donc, pour l'instant, je fais la plus grosse partie de ma tulipe. Donc là, hop, je tamponne directement sur mon pad et je viens tamponner ma fleur directement ici. Donc là, vous avez vu le calico coquelicot, waouh! Ça ressort, c'est puissant, c'est coloré, nickel. Et puis j'ai une colorisation à faire à l'intérieur, vous voyez, avec le cœur de la fleur, mais je veux pas qu'il soit aussi foncé, aussi marqué que les contours. Donc, mais je veux que ce soit dans les mêmes tons. Alors, même principe que tout à l'heure avec nos feuilles. Je tamponne une première fois le cœur et je viens déposer une première fois, mais aussi une deuxième fois, pour que ce soit vraiment très très contrasté. Et ça reste pourtant tout à fait visible. Vous voyez? Ça vous plaît? Donc là, vous voyez, j'ai tamponné, j'ai déposé mon encre deux fois. Donc là, c'est encore plus clair, alors que pour mes feuilles, je ne l'ai fait qu'une seule fois à chaque fois. Ça vous plaît? Et donc, vous pouvez faire ça avec absolument tous vos pads d'encre. C'est ça qui est génial. On peut avoir une seule couleur, mais lui donner différents dégradés pour un même motif. Et c'est vraiment très sympa. Et là, pas de problème de se dire, est-ce que je suis dans le bon ton? Est-ce que ça va le faire? Parce que oui, forcément, ça va le faire. Je vais essayer de ne pas vous mettre trop ma tête, mais il faut que j'arrive à viser. Alors attendez, hop. Voilà, je voudrais. Voilà, et je vais faire la même chose pour l'intérieur, avec plaisir, Marie-France. C'est tout bête, mais du coup, on a des tampons qui sont tellement beaux que ça nous permet avec sur un petit bout de papier de faire quelque chose de vraiment vraiment très joli. Je dépose une première fois et une deuxième fois. Et là, c'est pareil, je viens reposer
pour coloriser un peu l'intérieur. Ça vous plaît? Ah, ça me fait plaisir. Et voilà. Vous avez vu? C'est tout bête. Je vais faire les pistils de ma tulipe avec, évidemment, j'ai oublié de sortir ma mémento. Toc. Alors, je vais tricher pour ne pas disparaître encore. J'ai sous la main mon noir nu en Stampin' Right. Comme ça me permet de vous remontrer que oui, avec les feutres à eau, on peut coloriser directement sur nos tampons. Alors, je vais juste vérifier. Ouais, nickel. Toc. Voilà. Et je viens donc déposer mes pistils à l'intérieur. Et voilà. Tout de suite, ça prend une autre dimension. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi, est-ce que vous aviez déjà testé et ou alors est-ce que vous découvrez cette petite astuce? J'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc voilà ce que ça donne. Tout simplement. Vous pouvez imaginer de le faire en beaucoup plus grand sur une plus grande carte. Hein. Vraiment, il n'y a aucun souci. Donc tout simplement, je vais venir. Hop, je décale ça. Pas de souci, Rachel, ne t'en fais pas, ma belle. J'espère que tu vas bien. Je vais venir coller donc sur mon matage piscine partie. Et ensuite, je vais venir coller donc cette partie ici. Attention quand vous allez coller uniquement sur la partie basse de la carte. On ne colle pas tout partout, parce que sinon, on va coller sur le blanc. Attention, je sais, ça paraît évident. Mais parfois, parti dans notre lancée, on n'est pas à l'abri. Je suis sûre qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Et là, on se dit, zut, on recommence. Voilà, toc. Et là, vous allez me dire, ah oui, tiens, Harmonie, t'as pas mis de sentiment. En effet, pas encore. Mais justement, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je viens centrer ça. Dans le feu d'action, la boulette. Exactement. Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'arrive. Ok, alors. Bon, voilà, déjà, dans un premier temps, ce que ça donne. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus flashy hein, que la première, on est d'accord. Et donc, à la place de mettre une étiquette avec un sentiment, que j'aurais tout à fait pu faire, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait ici, donc avec mon étiquette ici et mon joyeux anniversaire, très bien. Là par contre, j'avais envie d'utiliser un set de poinçons que je n'utilise absolument jamais, et c'est un tort. C'est le set de poinçons mots de souhait. Et j'aurais voulu vous le montrer. Bougez pas. Est-ce que je l'ai là? Yes, il est là. Donc, ce set de poinçons, en fait, il comprend beaucoup de choses. Nous avons Noël, Saint-Valentin, Bonne Année, par exemple, Action de Grâce, Fête des Pères. Il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi Joyeuse Pâques. Et donc, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. J'ai découpé. Tiens, d'ailleurs, j'ai les petits bouts qui sont restés. Hop, si j'enlève pas le bouchon de ma pince, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Tac. Ah non, Nathalie, ça arrive à tout le monde, même aux plus aguerris. Ne t'en fais pas. Bien sûr. Donc, je vous disais, je vais utiliser les découpes qui restent accrochées à ma main, donc Joyeuse Pâques que j'ai découpé évidemment dans le papier Calico Coquelicot. Coucou Antoinette, je vous avais pas vu, bienvenue. Bah écoutez, je suis contente que ça vous plaise. Donc je vais coller directement ce Joyeuse Pâques ici. Et attendez, hein, je vous ai pas montré. Faut juste que je l'attrape. Sauf qu'il a décidé de faire le rebelle. Bougez pas. Quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Alors attendez, je vais faire ça plutôt. Ah non, il veut pas. Hein. Bougez pas, je me bats. C'est l'accent circonflexe qui veut pas venir avec moi. Ah, ça y est, je l'ai. Alors,
On a même la découpe de l'accent circonflexe, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à attraper, je vous l'accorde, mais il a le mérite d'exister. Ce n'est pas rien, parce que le Pâques sans accent circonflexe, eh ben, c'est plus Pâques. On est d'accord. Donc je vais bien garder là précieusement. Je vais encore me battre pour l'attraper, mais ça va le faire. Donc je vais tout simplement venir coller directement mon joyeuse Pâques ici. Toc. Voilà. Et je viendrai mettre des petites perles pour décorer ma carte. Pour lui donner un petit truc en plus. Coucou ma belle Muriel. C'est pas grave si t'as loupé, t'en fais pas. Tu le sais bien. Alors, toc, je sais ce que je vais prendre. J'ai mon. Voilà. Petit tube ici. Ça va être plus simple. Alors, l'astuce quand même, hein, c'est. Aïe. C'est d'utiliser les feuilles adhésives et de couper directement le papier avec ses feuilles. Mais voilà, j'avais décidé aujourd'hui de faire ma rebelle. Toc, et du coup, je colle avec la colle. Bonjour, le collage de l'accent. Alors ça, Isabelle, oui, je suis tout à fait d'accord. Hop, exactement, Carole, t'as tout compris. Voilà. On y va tranquille. On s'agace pas et on colle. Alors, voilà. Du coup, cette découpe, elle se suffit vraiment à elle-même. C'est vraiment très joli. Hop. Oui, vive les feuilles adhésives, mais j'aime bien coller aussi comme ça. Ça permet de travailler sa dextérité. Et c'est pas mal aussi, hein. Quand on demande aux enfants de faire des travaux manuels et du coup d'être habiles avec du matériel, je me dis que on peut s'entraîner aussi, nous. Voilà. Et voilà. Tranquillou. Bon, c'est le plus simple, hein. N'est-ce pas, Isabelle? Voilà. Et maintenant, le défi. L'accent circonflexe. Dans le bon sens. Voilà. Ah! Il est sur mon doigt, le vilain. Veux-tu venir ici? Voilà. Et tout le monde arrête de respirer. Yes. Je l'ai eu. Yes. La colle en aérosol fonctionne bien aussi, ouais, mais il faut qu'elle soit vraiment d'extrêmement bonne qualité pour que en fait elle ne traverse pas et que les petites perles en fait ne basculent pas sur l'avant du papier. Ça m'est déjà arrivé. Alors, et je disais donc mes petites perles quand même. Pour donner une petite touche de brillant, j'aime ça, hein, vous le savez. Hop, c'est pas le moment d'éternuer, tu m'étonnes. Mais t'as vu, j'ai réussi, hein. Hop. Alors, une plus grosse perle ici, et puis des petites perles. Oh, les perles aussi sont vivantes. Voilà. Ça sert d'avoir des beaux ongles. Je sais pas si ça sert. C'est pas toujours évident, mais. Alors. Quand c'est pas l'accent circonflexe, ce sont les perles qui ont décidé de faire de la résistance. Ça, j'y crois pas. La colle est sur la perle. Là, ça c'est bon. Allez. J'aime beaucoup ces poinçons messages. Oui, ils sont vraiment très jolis. L'écriture est très sympa. Et du coup, il y a pas mal de messages, donc ça peut être utilisé très souvent. Donc ça, c'est assez sympa. Entre Noël, bonne année, Pâques, fête des pères, bonne fête aussi.
Il y a de quoi l'utiliser pratiquement toute l'année en fait. Toc! Voilà, la petite touche finale est mise. Vous savez que j'aime bien ça, les petites perles. Et voilà. Voilà mes deux versions. Donc pour cette carte toute simple, pour laquelle j'ai pu vous donner quelques petites astuces. Je ne sais pas quelle va être votre préférée. Je sais qu'à mon avis, vos cœurs vont balancer, parfois toutes les deux, parfois qu'une. Voilà, je ne sais pas trop. Les poinçons, merci Sandrine. Les poinçons, la référence c'est 149 630 pour celles qui sont intéressées. Merci Marie-France. J'ai pas fait grand-chose, hein, on le sait. Hein. C'est tout le papier qui fait vraiment tout. Ça vous plaît? Yes, super, ça me fait plaisir. Ça, c'est top. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, oui, vous m'avez fait beaucoup de bien. C'est toujours un moment d'apaisement pour moi. Donc, c'est... Voilà, je vous en remercie, parce que c'est grâce à vous, grâce à vos commentaires adorables, vos partages, vos encouragements, ça me fait vraiment du bien. J'ai dû faire une troisième version. Oh, Nathalie, trop de stress, Nathalie. Respire, tu vas voir, ça va le faire. Et si tu as besoin, tu me contactes après le live. Ça marche? Vous aimez les deux? Ah ouais, super. Bon, bah, je suis contente en tout cas. Si ça vous a plu, c'est l'essentiel. Bien, comme d'habitude. Merci, ma Cathy. Eh bien, il me reste à vous faire de gros gros bisous, vous embrasser très très fort. Et puis, ben voilà, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. On s'approche petit à petit du 100e live qui aura lieu le 6 avril. Voilà, j'espère vous y voir nombreuses à cette occasion. En tout cas, merci pour tout, vraiment du fond du cœur. Et puis, je vous rappelle donc que la box mensuelle, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche. Donc, n'hésitez pas à consulter le lien en haut de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Et puis, si vous avez besoin de réponses supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit mail et je me ferai un plaisir d'y répondre. Super. Je vois une pluie de petits cœurs qui s'abat sur... dans les emojis et ça fait un bien fou. Isabelle, tu préfères Pâques? Super. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Voilà. Merci, merci et bon après-midi à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous surtout. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.